بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى تمام آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc الحمد لله إن شاء الله تعالى on va commencer donc l'explication du livre. Comme salam. نعم. On va commencer l'explication du livre écrit par docteur Cheikh Ayman Abou Shadi. Donc, c'est un docteur en sharia, donc comme c'est écrit sur le livre Ijaza, Alamiya fi kulli sharia, Jamiat al-Azhar, Ijaza fi al-Asanid, fi al-Hadith, fi usul fiqh, wa fi al-Aqida. Donc, c'est un alim et il fait partie des responsables du mouvement Tablir en Égypte, il fait partie des machaires responsables. Et il a écrit un ouvrage vraiment scientifique. Pour traiter de tous les points relatifs au Tablir. Donc, il a vraiment ramené les paroles des ulama. Et le premier chapitre ici, c'est le chapitre de la bid'a. Donc, Inch'Allah Ta'ala, prochainement, j'essaierai de le mettre en PDF, d'accord ? Pour l'instant, ce n'est pas fait. Bon, faut savoir que moi, au niveau de l'informatique et tout ça, je suis vraiment un peu arriéré, mais on va essayer de faire l'effort quand même de faire les choses bien. Donc, pour l'instant, je lis comme ça, mais Inch'Allah, prochainement, il y aura le PDF, donc on pourra suivre les textes en arabe et je traduis. Il y a une partie en arabe que je fais le vendredi de 16, on va dire de 16h à partir de 16h, d'accord? Parce que c'est un sujet vraiment scientifique, donc il faut le traiter de telle sorte. Donc, je ne veux pas faire une longue introduction. Mais juste pour dire que voilà, ce cheikh, il a écrit des livres sur ça. Au début, c'est vraiment du ilm pur et dur. Donc, pour ceux qui seraient capables de comprendre le ilm avec les dalils, voilà les dalils qui sont là. Et à la fin du livre, il ramène le résultat, c'est-à-dire les fatwas, les paroles des ulama concernant le tablir, ceux qui sont pour, bien sûr. D'accord? Donc, de toute façon, il y a deux solutions dans la vie, j'ai envie de dire. Soit tu suis le dalil directement, tu es capable de comprendre le Coran, tu es capable de comprendre la sunna, mais ça, en réalité, ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Soit tu suis les ulama directement qui, eux, comprennent le Coran et la sunna et qui, quand il y a une situation nouvelle, quelque chose de nouveau, entre guillemets, comme le tablir, eh bien, tu vas savoir, tu vas te fier à leurs paroles pour savoir est-ce que c'est une innovation ou pas. Donc ici, le premier sujet, c'est le sujet de l'innovation. El-bid'a, ce mot qu'on entend si souvent. D'accord? Donc je vais vraiment essayer de ne pas m'emporter et je vais essayer de ne pas dire des paroles qui seraient désagréables et de me précipiter dans les jugements. Je vais me contenter de lire donc le livre et bien sûr d'expliquer, parce que c'est vraiment des paroles de ulama, etc. Parce que juste avant, en fait, vendredi, avant de commencer le dars, j'ai eu au téléphone l'auteur du livre, que je connais depuis 2004. Il était venu en France en 2004. Donc ce livre, il est écrit depuis très très longtemps. Et quand je suis venu en Égypte en 2013, je l'ai donc revu. Et juste avant là, j'ai compris de lui qu'en fait, presque, il m'a demandé sans me donner un ordre, en fait. Mais en fait, il ne voulait pas que je le fasse. Parce qu'il a peur, il avait peur que ça crée et ça relance des animosités et que les gens commencent à répondre et que ça crée des conflits. Or, vous savez bien que les gens du Tablir, ils ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que c'est ça, la sunna. La sunna, on sait bien que c'est de délaisser la polémique. Vous connaissez tous le hadith. Je suis garant dans une maison au paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il sait qu'il a raison. Et le fils de Mohamed Elias, Mohamed Youssouf, on l'avait dit au début, les responsables de Tablir ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les gens disent que c'est une innovation et tout. Est-ce qu'on écrit des livres pour leur répondre, etc. Ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont dit, parce que si nous, on leur répond, eux, ensuite, ils vont nous répondre. Ensuite, on va devoir leur répondre. Et ensuite, on va leur répondre. Et finalement, ça va nous détourner de notre objectif. Et en général, c'est ça qui se passe. Quand on est occupé à se répondre les uns les autres, on délaisse notre objectif. D'accord? Donc, on commence
sans, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de d'introduction, on va commencer. Donc, bismillah. Donc ici, la première page ici, il va donner quelques paroles, il va faire quelques paroles qui sont un peu des paroles un peu émotionnelles. Mais ce n'est pas grave. Juste un petit peu, ce n'est pas grave. Après, on rentre dans, le, dans les paroles des paroles de ilm, d'accord. Donc ici, il dit « Qama ahlu da'wa bimirath al-nubuwa wa maqasid al-risala ». Il dit que les gens de da'wa, ils ont bon, allez. « Qama ahlu da'wa bimirath al-nubuwa ». Les gens de da'wa ont pratiqué l'héritage prophétique. « Wa maqasid al-risala ». Et les objectifs du message divin. « Yatahammaluna fi sabili dhalika ma yathqulu bihi kahilu qurunin marrat ». Et ils supportent sur ce chemin tout ce que les prédécesseurs ont supporté. Et la da'wa bénie, elle a été arrêtée. Ta'attalat, ça veut dire retardée en fait. La da'wa a été retardée. Maintenant, il n'y a plus vraiment des gens qui font da'wa. Là, pour l'instant, on est dans des paroles un peu émotionnelles, mais après, on va rentrer dans l'ilm. ولم يقم في سبيل الله تعالى القيام الواجب ما يعبد الناس لربهم. Et il n'y a plus vraiment des personnes qui font vraiment l'effort de faire en sorte que les gens adorent leur Seigneur. وتغربت الرسالة بين أهلها وأشاحت في سبيل مقاصدها الوجوه. تغربت. Quand on dit تغربت, أصبح غريبا. Donc maintenant la da'wa est devenue comme on dit, gharib, étrangère. D'accord ? Wa ashahat ala sabiliha maqasidaha wujuh. Et les visages ont changé vis-à-vis de la da'wa. Maintenant, les gens regardent ça d'une manière bizarre. Hatta adha da'i ila rabbihi bid'an min an-nas wa tahawusan wa hadathan. Jusqu'à ce que celui qui appelle à Allah est devenu un innovateur et les gens, donc, les gens sont focalisés sur eux et les regardent bizarrement. وَيُدْفَعُوا بِكُلِّ بَنَانِ. البنان, ce sont les doigts. On le montre des doigts. Regardez cette personne, regardez-le. وَيُقْهَرُوا عَلَى كُلِّ لِسَانِ. Et il est, comment on dit, يُقْهَرُوا, ça veut dire il est avili, en fait, par toutes les langues. Tout le monde parle en mal de eux. فَقَالُوا وَمَا أَكْثَرُوا مَا قَالُوا. Et ils ont dit, et ils en ont dit des choses sur les gens de da'wa. وَأَقْوَالُهُمْ عِنْدَ الْإِلَهِ مَسْتُورًا. Et leurs paroles auprès d'Allah sont écrites. Ceux qui disent que le khuruj, c'est bid'a, quoi qu'il en soit, leurs paroles, c'est écrite. Donc ici, on voit qu'il parle de manière en fait émotive et il dit que et c'est une forme de... En fait, quand tu fais ça, c'est une sorte de menace. On dit, ce que tu es en train de dire, quand tu dis que le khuruj, c'est bid'a, en tout cas, c'est écrit. Maintenant, on essaye de rester neutre. Moi... Peu importe si moi je suis pour ou contre la da'wa, c'est pas la question. Mais en tout cas, dans l'hypothèse, c'est juste une hypothèse, où les gens de Tablir seraient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala et que des gens s'acharnent à dire que ces gens-là sont des innovateurs, il ne faut pas les écouter, quoi qu'il en soit, c'est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on ne souhaite pas du mal à ces personnes-là, en tout cas, s'ils estiment que le tablir c'est bid'a et qu'ils étaient certains de ça et qu'ils ont dit ça dans une bonne intention, alors bah, qu'Allah les pardonne. Hein, aujourd'hui, on dit que les gens du tablir c'est des bisounours. Hein, ils sont, on pardonne toujours, etc. Il n'y a pas de problème. Wa asma'uhum bit-ta'ni wa thalbi ma'louma. Et leur nom, lorsqu'ils sont en train d'accuser et de ah, les termes, hein, ta'n c'est en train de poignarder en fait. En train de poignarder les gens de Tablir, bien sûr, de manière imagée, ma'loum, leurs noms sont connus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faya kalimat, jarat ala da'wa nubuwa, wa hirsun wa shafaqatu risala, aya hirfu mumahala wa bitala, raddu tarf ba'aynu su'i takahalat bizzaif. Donc là, il est en train de dire que les yeux se sont maquillés avec quelque chose de mensonger, en fait. Maintenant, la vérité et a mis du khul dans ses yeux pour passer pour le mensonge, a mis du khul pour passer pour vérité. وَنَتَقَدْ بِالْحَيْفِ وَجَارَتْ وَيَا زَمَانُ الْكَلِمَاتِ الْبَاقِيَاتِ زُورًا وَبُهْتَانًا الطَّاعِنَاتِ قَتْلًا وَجَرْحًا
أيا ظلمة الكلمات مرحى فالآن وفي الصبح الظلمة وضحاها نتكلم. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. يقولون الخروج ثلاثة أيام بدعة. Ils disent le fait de sortir en خروج trois jours, c'est une innovation. والآن نسأل يا من تبدعون أهل الدعوة. Oh, maintenant, on pose la question. Oh, vous qui déclarez que les gens de Tablir sont des innovateurs. ما معنى البدعة التي تتحدثون عنها. Que signifie le mot بدعة dont vous êtes en train de parler. فالحيرة تأخذنا من هذا الإطلاق. يعني on est vraiment troublé de cette déclaration. هل يعني خصوص الذم. Donc maintenant, il rentre dans le sujet. On va voir tout de suite. Aujourd'hui, on va voir la définition de la bid'a. Et donc ici, il dit, est-ce que quand tu dis bid'a, ça veut dire que tu es en train de dire que tout ce que font les gens du Tablir, c'est quelque chose qui n'a aucun fondement et qui est intrinsèquement mauvais. Al-dhamm. Tu peux ouvrir ce... Excusez-moi. Donc, khusus al-dhamm, comme on va voir dans la définition. Ou bien, am ya'ni al-hadith ala ghayri mithalin sabiq, hasanan kana aw qabiha. Ou alors, toute chose nouvelle dans la religion, qui n'a pas de. Qui quelque chose qui est nouvelle dans sa forme, que ce soit bon ou mauvais. Que ce soit bon ou mauvais. Donc, ici, je vais essayer de synthétiser le sujet, même si juste histoire que... Parce que là, on va lire vraiment ligne par ligne, donc ça risque peut-être d'être lassant, mais je vais essayer de résumer les choses pour que ce soit plus facile à écouter. Donc ici, tous les hadiths qui parlent de bid'a, on peut les diviser en deux sortes. On va prendre juste deux hadiths qui parlent des innovations, et ces hadiths, en fait, ça divise tous les hadiths qui parlent de bid'a. On le met soit d'un côté, soit de l'autre. Le premier hadith, c'est « Kullu bid'atin dalala ». Toute innovation est un égarement. Et le deuxième hadith, rapporté par un musulman, c'est « Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ». Celui qui instaure une bonne sunna prend la récompense de tout ce qu'il a fait. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا. Et celui qui instaure une mauvaise sunna prend les péchés de tous ceux qui l'a fait. Donc, ces deux hadiths-là, c'est là que, en fait, on divise le sujet en deux parties. Et donc, le premier hadith, et donc il faut savoir, bon là je parle en français, donc il y a des choses, bon, Je vous le dis, mais après, c'est à vous de vérifier. Mais des fois, il y a des choses que vous ne pourrez pas vérifier par vous-même si vous n'avez pas lire un livre en arabe, vous ne pourrez pas vérifier. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que kullu. Donc là, c'est un sujet en fait qui est directement lié à la science qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Donc c'est un sujet qu'on doit connaître. Donc à travers ce livre-là. Mon objectif, c'est déjà de faire une révision, d'apprendre, de connaître nos fondamentaux au niveau justement des fondements de la jurisprudence, et ensuite de mettre en pratique ces fondamentaux-là par rapport au Tablir. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de scientifique. Donc ici, même Cheikh Uthaymeen, bon, après Cheikh Uthaymeen, il est contemporain, c'est pas lui qui a découvert Usul al-Fiqh, donc. Mais ce que les gens vont te dire, c'est que kullu, ce qui est connu dans Usul al-Fiqh, c'est que ça s'appelle min alfaz al-umum. Ce sont des termes. Kullu, ça veut dire toute. Donc en français, quand on te dit toute innovation est un égarement, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout ce qui est innovation, c'est égarement. Mais l'imam Shafiri, je pense que vous savez que l'imam Shafiri est le premier à avoir écrit. La science de Usul al-Fiqh, on lui attribue le fait d'avoir être l'instigateur de cette science. Les premières choses qu'il a écrites dans son livre Al-Risala, donc le livre qui est le premier livre de Usul al-Fiqh qui a été écrit, même si les Usul existaient déjà, mais ce n'était pas écrit en termes de livre,
il a dit wa min alfaz al-umum ma urida bihi al-khusus. C'est la première chose, parce que les usul fiqh, en fait, ça a été fait pourquoi? Ça a été fait dans l'objectif de régler les conflits, en fait, entre les fuqaha, entre les juristes, de régler les conflits et les divergences. Les gens divergent entre eux. Donc, on veut savoir comment essayer de mettre des règles et des fondements qui vont faire en sorte qu'on ne va pas diverger. Et c'est des règles qui vont nous permettre de savoir comment interpréter les textes. Et il a remarqué, et on a remarqué, dans la langue arabe et dans la charia, il y a des fois des termes qui, en apparence, englobent tout, mais qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Alors, un exemple, des exemples qui sont toujours donnés dans les livres d'Usul Fiqh, dans Surat Ahqaf, Allah il dit, vous savez, le peuple de Ad, Allah a détruit donc leur demeure. Et Allah il a dit, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Kulla shay'. Le vent a détruit toute chose. Mais on sait bien que ça n'a pas détruit toute chose. Ça détruit que le peuple de Had. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des exemples, il y en a énormément dans la charia. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc si quelqu'un te dit, ah ben tu vois, Allah, le prophète a dit tout. Mais quand tu dis usul fiqh, tu dis que tout, il y a des alfaz, l'umum, ça s'appelle urid abihi l'khusus. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et parce que justement, avec le deuxième hadith, qui nous dit, man sanna fil islam, celui qui instaure une bonne sunna, et celui qui instaure une mauvaise sunna, comment maintenant on réunit entre les deux hadiths? Et encore une fois, dans les usul fiqh, on nous dit le fait de pratiquer les deux hadiths, de pratiquer les hadiths en même temps, c'est mieux que d'en délaisser un. D'accord? Donc, pour pouvoir réunir les deux hadiths et les mettre en pratique, eh bien, lorsqu'on dit wa kullu bid'atin dalala, on comprend que le kull ici, urida bil khusus, c'est-à-dire toute innovation dans laquelle il n'y a pas de dalil, là on est d'accord. Toute innovation dans laquelle il n'y a pas de dalil dans le Coran et dans la Sunna, c'est une innovation. Mais ça ne veut pas dire tout. Mais si c'est une innovation sur laquelle il y a un dalil, alors ça ne rentre pas dedans. Comme on va voir donc à travers les définitions des ulama. Donc je n'ai pas envie, comme j'ai dit, de faire des conclusions hâtives. Mais il faut que vous sachiez une chose. Je le dis vraiment pour que le sujet soit bien synthétisé. Aussi, on va lire les paroles de tous les ulamas, de tous les madhhabs. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Ma'ini, d'autres qui sont moins connus des gens, mais tous les grands ulamas. En fait, en gros, 90% ou plus, et je suis gentil, des ulamas ont une compréhension du mot bid'a qui est claire et ils disent tous la même chose. Et puis tu as moins de 10%, et encore on est gentil, qui ont une compréhension qui est contraire aux 90%, mais qui sont présentés comme la vérité absolue. Voilà, en fait, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, je demande pardon pour ce que je viens de dire, mais c'est la synthétisation des choses. Et il n'y a que l'imam Shatibi, comme on sait, qui est contre les 90% et plus, mais on va voir à la fin comment comprendre et qu'est-ce qu'il en est de tout ça. D'accord? Donc maintenant, on arrive aux définitions. Ensuite, donc il dit in kana al-awwal huwa al-khusus adh-dham fa yaqinan la ya'nihi. Donc si vous voulez dire que tout ce que font les tablir, il y a aucune source dans le Coran et dans la Sunna et que c'est du mal à 100%, alors là, l'auteur dit c'est sûr et certain que ça ne les concerne pas. Et puis, il y a, le lecteur du Coran connu, Abdul Rashid Soufi, comme vous savez, bon, il faut savoir qu'il est, c'est un tabliri. Et lui, vous savez, quand quelqu'un il a du ilm, il n'a pas honte de quoi que ce soit. Il dit les choses clairement, naturellement. Et il dit, mais les gens sont devenus. C'est-à-dire, la saine nature des gens, c'est comme si elle est devenue bizarre. Il dit, mais on a besoin d'un dalil pour faire da'wah. Alors que c'est la chose la plus naturelle qui est quand quelqu'un il a l'iman, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je me calme. C'était juste une parenthèse. Donc il dit
إلا إن كان أمر قد انحرف لشذوذ في مراد الشارع. Il dit si, donc ça veut dire que si vraiment vous dites que tout ce qu'ils font l'établir c'est mauvais, ça veut dire que maintenant le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Mais ça, c'est l'auteur, des fois, il fait des petites remarques, mais après, il va se contenter de citer. Même à la limite, quand je lis le livre, des fois, je sens ça un peu. Je me dis, des fois, il ne s'est pas beaucoup foulé parce qu'il prend les paroles, boum, 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 il les met à la suite. Des fois, tu te dis, ben, il s'est pas beaucoup fatigué, il s'est contenté de dire. Et puis c'est tout à son honneur. Naam. Donc, on commence. Ici, on va voir la traduction. Donc, il faut d'abord une introduction pour qu'on sache c'est quoi la bid'a. Donc, ici, on va ramener les paroles des savants pour que celui qui est proche de la vérité soit sûr qu'il était proche de la vérité. Et que celui qui est loin de la vérité, alors qu'il faut qu'il se rende compte qu'il était loin de la vérité. Donc on commence. Al-bid'atu loratan. La bid'a linguistiquement. Donc je disais en arabe, donc je vais essayer de ne pas trop commenter, mais il faut savoir que même chez les arabophones, La meilleure façon de régler les divergences et la plus grande source de divergences en général, c'est dans la méconnaissance de la langue arabe. Là, je ne parle pas des francophones, je parle même des arabophones. Et toutes les bid'as et toutes les innovations dans le fiqh, dans la aqida, dans tout ce que vous voulez, c'est à cause du fait que les gens ne maîtrisent pas la langue arabe et ne font pas la différence. Il y a un ilm qui s'appelle fiqh al-lugha, la jurisprudence de la langue arabe. Chaque mot, elle, comme on dit en français, elle a une étymologie. Donc, il faut savoir déjà le mot, qu'est-ce qu'il veut dire à la base. Ensuite, le mot, ce qu'il est devenu. Parce qu'encore une fois, pour vous faciliter le travail, je vous donne la conclusion avant pour que ce soit moins lassant pour vous, tout ce qu'on va dire. Je vous donne un exemple. Il y a des mots qui sont à la base, qui ont un sens en arabe. Mais nous, notre utilisation qu'on en fait dans la religion, elle fait que quand on cite ce mot, c'est le sens religieux qui nous reste ancré en tête. L'exemple, as-salatu, la prière. Quand on dit prière, chacun d'entre nous, il va comprendre quoi? C'est une action qui commence par le takbir, Allahu Akbar, et qui se finit par assalamu alaikum, assalamu alaikum. C'est ça. Alors que as-salat, comme vous le savez, vous le savez, tous ceux qui ont étudié le fiqh, ils savent ça. As-salat, linguistiquement, ça veut dire ad-du'a, ça veut dire ça. Mais aujourd'hui, quand tu dis yusalli, ana usalli, les gens, ils vont comprendre que tu dis Allahu Akbar, tu récites la Fatiha, etc. Et à la fin de sourate Furqan, Allah il dit qul la ya'ba'u rabbi lawla du'a'ukum. Allah n'aura que faire de vous sans vos doigts. Sans vos doigts. Sans vos doigts, ça veut dire quoi? Sans votre prière. Ça veut dire que celui qui ne fait pas la prière, Allah n'a que faire de lui. Donc, il a employé le mot doa pour prière. D'accord? Donc, ici, le mot à la base, bid'a, il n'y a rien de mauvais dedans à la base. Bid'a, ça veut dire une chose nouvelle qui n'a pas, comme on dit en français, d'esquisse. Ça veut dire quelque chose qui est nouveau, d'accord? El bid'a lughatan fassaraha el imam Sheikh al-Islam ibn Hajar al-Asqalani. Inutile de le présenter. Faqal wa amma al bid'a fa huwa jam'u bid'atun. Bid'a, c'est le pluriel de bid'atun. Wa hiya kullu shay'in laysa lahu mithalun taqaddam. C'est toute chose qui n'a pas de précédent. Qui n'a pas de chose, qui n'a pas d'esquisse. Fayashmalu, donc ça englobe l'oratan, ma yuhmadu wa yuzammu, donc ça englobe dans le sens linguistique ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc le hadith qu'on a cité, le deuxième, celui qui instaure une mauvaise sunna et celui qui instaure une bonne sunna, ici on doit le comprendre dans le sens linguistique. Donc ça peut être bon comme mauvais. Donc ça s'appelle une bid'a bonne, une bid'a mauvaise, ok. Mais le problème, c'est que quand les gens
quand ils entendent le mot bid'a, il n'y a que le sens religieux qui leur est à l'esprit. Donc, quand tu mets bid'a avec hasana, ça ne peut pas aller ensemble, en fait. D'accord ? Naam. يشملوا ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم. Par contre, dans le jargon religieux, c'est spécifiquement pour ce qui est mauvais. Donc le hadith qui dit كل بدعة ضلالة, ça concerne que les bid'a mauvaises, les celles sur lesquelles il y a aucun dalil. Ça, tout le monde est d'accord. Après, voilà, il y avait une chose que je voulais dire. Il faut préciser que toujours, quand on parle de ces sujets-là, il faut aller par étapes. Après, le problème, c'est que les gens vont dire, oui, mais attends, si tu dis qu'il y a des bonnes bid'a, ça va ouvrir la porte aux gens pour faire des bid'a. Je dis, attends, parce qu'effectivement, ça fait partie des sources de la jurisprudence, des choses qui s'appellent sed al-dari'a, fermer la porte. Mais le fait de fermer la porte, ça ne doit pas devenir une base dans tout. D'abord, on dit les choses telles qu'elles sont. Après, si dans une situation, on a besoin de fermer la porte et de dire aux gens, OK, il n'y a pas de bid'a hasana, khalas. Comme ça, les gens, ça va ils vont éviter de trop se donner de liberté dans le shara. Mais après, évidemment, tout le monde doit avoir un minimum de crainte. Un minimum. Les gens, ils ne vont pas se permettre de faire des prières n'importe comment, d'inventer des choses n'importe comment, de faire des innovations. Il y a un minimum. D'accord ? Et ce que je voulais dire, il faut savoir, pour que je sois juste, bien évidemment, le hadith qui dit celui qui instaure une bonne sunna et celui qui instaure une mauvaise sunna, ils vont te dire quoi, les autres qui sont contre le fait de dire qu'il y a des bonnes bid'a? Ils vont dire non. Ici, instaure une bonne sunna, ça veut dire tu fais revivre une sunna qui existait déjà. Alors, bien évidemment, on va être obligé de parler de taraweeh. Et ils vont te dire taraweeh, non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, il l'a fait revivre. Salat al-Doha, c'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite, mais il l'a dit de le faire. Donc, à chaque fois, ils vont dire non, c'est une sunna qui existait déjà. Les gens l'ont oublié et ils l'ont fait revivre. Mais quand on est honnête, et Cheikh Uthaymeen a été honnête, il a dit, OK, ce n'est pas le seul sens. On peut comprendre ce hadith que ça veut dire faire revivre, mais ça veut dire aussi faire quelque chose. Oui, ça a une base, mais tu fais quelque chose d'une manière nouvelle. Et ce hadith-là, celui qui instaure une bonne sunna ou une bonne sunna, le hadith entier, c'était un jour, des gens sont venus, ils étaient vraiment ils étaient dans une situation, ils avaient des habits troués, ils étaient vraiment dans une situation qui fait pitié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a improvisé, entre guillemets, si on peut se permettre l'expression, dire, bon allez, tout le monde, donnez quelque chose. Et donc chacun a donné, et ensuite il a dit ce hadith, celui qui instaure une mauvaise sunna, celui qui instaure une mauvaise sunna. C'est-à-dire que quand une situation se présente, où tu vois des gens qui sont démunis, eh ben tu trouves une action à faire, même si sur la forme elle est nouvelle, mais l'objectif c'est de faire en sorte que les gens qui sont démunis, eh bien, on trouve une solution pour eux. Donc, j'essaye d'éviter de trop parler moi-même. Mais c'est pour que les choses soient claires. Parce qu'un livre, il n'est pas fait pour être lu tout seul. Donc, ici, on a bien compris ce qu'il a dit Ibn Hajar. Et en vérité, cette seule phrase-là, ça va se répéter. C'est-à-dire que tout ce qu'on va lire, ça va être relativement répétitif. Parce qu'en fait, il va citer des paroles de différents ulama, mais ils disent tous la même chose, en fait. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on doit comprendre le hadith là qu'on vient de dire. Celui qui instaure une mauvaise sunna, une bonne sunna, une mauvaise sunna, c'est la bid'a dans le sens linguistique. Et le hadith kullu bid'atin dalala, c'est la bid'a dans le sens de la législation. Voilà. Ibn Hajar aussi, il a dit, bon, il reste 10 minutes, mais on va reprendre, inshallah ta'ala, une autre... Pour au moins finir, on va finir juste 4 pages et ce sera bon pour aujourd'hui, inshallah. Il a dit aussi wal bid'atu asluha ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq. Donc il répète la même chose, la bid'a à la base, c'est ce qui a été fait sans qu'il y ait de précédent. C'est tout. Cette parole, il l'a dit dans le chapitre de Tarawih. Naam. Le chapitre de le bienfait du Tarawih. Ça c'est comme vous savez, Ibn Hajar, il est Shafi'i. Ici, maintenant, il cite
وفسرها العلامة العيني. العيني. العيني en fait c'était entre guillemets un concurrent de l'imam Ibn Hajar. Ibn Hajar, comme vous savez, il a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Fath al-Bari. Et Al-Ayni, il a fait une explication aussi de Fath al-Bari, qui s'appelle Umdat al-Qari, fi Sharh Sahih al-Bukhari, mais à la mais en mode Hanafi. D'accord ? Et l'imam Ibn Hajar, il a fait en mode Shafi'i. Donc c'était une sorte de concurrence, mais vous savez bien que les ulama, même s'ils avaient des madhabs différents, mais ils se respectaient. Ils faisaient une bonne concurrence. D'accord ? Et ici, c'est comme si l'auteur, ici, il veut dire, voilà. Voilà l'avis des Shafi'i sur le sujet de la bid'a. Maintenant, l'avis des Hanafi. Ici, Al-Ayni, il dit, « Wal bid'atu lughatan kullu shay'in u'umila al ghayri mithalin sabiq » La même chose. Tout ce qui a été fait sans précédent. أما في الاصطلاح الشرعي فهناك أكثر من طريقة في تعريفها. Il y a plusieurs façons de la définir. Donc ici, il va expliquer en fait, soit on peut donner une définition qui rentre les choses de la vie courante dans la bid'a. C'est-à-dire si tu rentres la construction des avions, des voitures, des trains. Si on rentre ça dans la définition, donc on va donner une définition spécifique. Et si on ne rentre pas ces choses de la vie quotidienne, donc ça donnerait une autre explication. Et ici, il a cité l'imam Shatibi, et c'est lui qui va être le pilier du sujet, en fait, parce que c'est lui qui est contre le fait de dire qu'il y a des bonnes bid'a, des mauvaises bid'a, et qu'il y a des bid'a obligatoires, des bid'a mustahab, des bid'a mubah, des bid'a mubah, etc., et des bid'a bakrou et des bid'a haram. Ça, il est contre. Il dit, ah, ça n'existe pas. Comment ça, bid'a obligatoire? Jamais de la vie. Ici, donc, il cite l'imam Shatibi. Donc, dans son fameux livre, il y a Tissam. Tariqatu, ça veut dire, donc, maintenant la définition. Tariqatun fi ad-din muhtara'atun tudahi al-shar'iyya yaqsudu bis-suluk 'alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire, donc, on traduit. Tariqatun, donc une manière de faire. Fiddin, dans la religion. Mukhtara'atun, inventé. Tudahi, qui est en fait, qui rivalise avec une règle, avec un acte de sharia. Yuqsadu, bis-suluki 'alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud. Avec objectif, avec cette action d'accentuer une adoration. C'est-à-dire que ce soit une prière. Bon, les bid'a, ça peut être dans les adorations, dans la prière, dans le jeûne, et ça peut être dans des comportements, et ça peut être dans différentes choses. On va voir ça. Soit dans l'adoration, soit dans des comportements, ou soit dans ou la manière de faire da'wa, justement, c'est là qu'on... Lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ala ra'yi man la yudkhilu al-'adat fi ma'na al-'ibada. Ça, cette définition... Elle est pour celui qui ne rentre pas les choses adiya de la vie tous les jours dans la bid'a. Et ce qui est évidemment le cas. Les choses, les avions, ce n'est pas considéré comme une bid'a parce que ce n'est pas dans le din. Donc, et si on rentre les choses de la vie tous les jours, bid'atun tariqatun fid din, muhtara'atun, tudahi shar'iyya. Donc la même chose. Yuqsadu bis-suluk 'alayha. Ma yuqsadu bit-tariqati shar'iyya. D'accord. Donc, et qui cherche à faire à travers cela ce que normalement on fait pour un acte religieux. Wa hadha at-ta'rif yunsabu ila al-imam Malik. Donc, cette définition, elle est rapportée de l'imam Malik. Cette définition, elle est rapportée de l'imam Malik. Parce que, évidemment, donc il reste 4 minutes. Si ça coupe subitement, je ne vous inquiétez pas. Donc, on va couper et puis on reprend l'assise. J'ai un autre livre ici qui s'appelle Al-Bid'a Hasana. Bon, les Shafi'is chez eux, c'est clair. J'ai touché, comme on a dit, j'ai 90% des ulama, en fait. Bref.
mais il a fait un livre dans lequel il a bien synthétisé les choses. Donc, il parle de ceux qui sont pour, qui sont d'accord avec le fait qu'il y a des bonnes bid'as, et ceux qui sont contre, ceux qui, pour dire qu'il y a des bonnes bid'as, ceux qui sont contre. Et donc, pour être juste, pour ceux qui sont contre, alors il se base sur des versets coraniques. Parmi les versets coraniques, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété votre religion. Parmi les versets, fahada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul, voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les chemins. Donc ça, c'est les dalils du Coran. Parmi les dalils de la sunna, kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement. Parmi aussi les paroles des sahaba, on a un hadith d'Ibn Omar. Vous savez qu'Ibn Omar, il était dur sur le suivi de la sunna. C'était, vous savez, as-salatu khayrun minan nawm. Quand Ibn Omar, il a entendu ça pour la première fois, parce que c'était pas à la base. C'est comme une innovation, en fait, que soit Bilal ou Ibn Abi Maktoum, il a fait le matin. Quand il a entendu ça, il a dit, sors-moi de cette mosquée de Mubtadi'a. Ça, c'est parmi les paroles des Sahaba. Et parmi les dalils, parmi les paroles des A'imma, la parole de l'imam Malik, qui a repris le verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, et cette fameuse parole qui dit, celui qui prétend que celui qui voit, qui fait une bid'a, et qu'il la voit bien, c'est comme s'il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir transmis le message comme il faut, ou comme s'il accuse la charia d'être manquante et que lui, il vient ramener des choses nouvelles. Il a dit, et donc il a cité le verset, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum, faman lam yakun yawma idhim dinan, fala yakun al-yawma dinan. » Ce qui n'était pas un din à l'époque ne sera pas un din aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il se base sur ça pour dire qu'il n'y a pas de bonne bid'ah. Ok ? Mais voilà, encore une fois, on est tous d'accord ici. Il va expliquer la définition. Et quand on dit « murtara'a », ça veut dire « inventé », qui n'a pas de source. D'accord ? Donc, il reste une minute. Donc, ça va couper subitement, ce n'est pas grave. On va reprendre après. « Wal bid'atu ala hada ta'rif laysa laha illa ma'nan wahid wa huwa ma uhditha ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Donc, selon cette définition, la bid'a, elle a un seul sens, c'est tout ce qui a été fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouveau, eh bien, c'est une bid'a. Donc, ça rentre dans beaucoup de sujets. C'est-à-dire, il y a des livres sur ça. J'ai des livres ici, d'accord ? Et des livres qui parlent de at-tark. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait une chose, est-ce que ça veut dire que c'est haram de le faire ? Donc ça, c'est des livres entiers qui sont sur ça. D'accord ? Donc, tout ce qui est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ala annahu min ad-din wa shara' wa dhalika bi an yaj'ala fi ad-din ma laysa minhu ziyadatan aw naqsan bina'an ala ta'wil aw shubha laysa laha mahall fi ash-shar'i wa ghayra mu'tad biha. » Donc, tout ce qui est, donc, selon cette définition, tout ce qui est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans avoir aucune base du Coran et de la Sunna. Donc on va couper, inshallah ta'ala. En tout cas, on va ici, après l'auteur, il va détailler en fait chaque mot de la définition, et on va en rester là. Je vais vous laisser peut-être après du temps pour, si vous voulez, soit intervenir ou quoi que ce soit. Mais moi, je voudrais qu'on reste vraiment organisé, qu'on ne s'éparpille pas. Qu'on reste sur chacun des points qu'on a cités, et tous les sujets seront traités, inshallah, avec le temps. D'accord ? Donc, on va couper là et on reprend tout de suite, inshallah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salam.